Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis Paradox. Bienvenue dans la suite de The Evil Within 2. On entame le chapitre 16 où on va rejoindre Mira, je pense, à l'intérieur de leur maison là-bas ou là-haut. Mais avant, je crois que. Ah non, c'est un drapeau. J'allais dire, je crois qu'il y a des trucs à faire ici. C'est un drapeau ça? Ah non, il y a bien un truc à faire. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors lui, il est marrant, lui, il voulait faire exactement la même chose. Donc je l'ai trouvé au pif, hein. Je pensais qu'il fallait aller là parce que ça, il y avait un truc qui brillait. Mais non, c'était un drapeau. Ah, lui, là-bas. Ok, donc de devenir le noyau. Ouais. Mais pourquoi? Donc là, on en apprend un peu plus sur ses actions. Donc on peut dire qu'elle s'est sacrifiée du coup. Donc je pense que je dois aller là. Il voulait récupérer le noyau du coup. Ouais, il voulait être le noyau. On arrive dans le bureau de Sébastien, on dirait. Ouais, c'est ça. Alors, des balles de pistolet. Alors, j'aimerais bien refaire le stock là. Le plein de choses. Alors ça, je l'avais déjà fait au tout début, je pense. Je n'oublierai jamais votre sacrifice, Hoffman. On peut réinteragir avec. Ok. Je vous avais dit d'être prudent, Sykes. J'espère que vous avez réussi. Ok, on l'a fait. Au moins, il est mort au combat. Sans lui, cet émetteur de champ stable serait toujours inactif. Du coup, ils sont tous... Ils sont tous morts. Hein. Sauf Sykes. C'est parce qu'il est devenu. Un grand X rouge. Ça, c'est clair. Vos longs discours ne vous épargneront pas l'enfer, Wallace. Je trouve ça cool qu'on puisse interagir avec les photos. Du tableau là. Mais il y avait encore des trucs. Ouais, bon, j'ai pas envie de lire. Les articles. Ouais, allez hop, c'est ce que j'avais déjà lu. Alors là, ils sont en train de nous donner beaucoup de choses, je trouve. Fabrication. Alors, je peux en faire 5. Allez, go. Boum. Tant pis pour les autres munitions.
Par contre, seringue, je peux pas faire grand chose. Amélioration d'armes. Donc, on va utiliser principalement le fusil à pompe, je pense. Cadence de tir. Dommage, j'étais presque à fond. Il m'en faut 300, je suis à 163. Et là, on va suivre le chemin. Tout tracé pour nous. Donc c'est en train de s'effondrer. Ah, il y a encore un truc. Il m'en manque que deux, c'est dommage. J'ai déjà loupé deux dans le jeu. Je pense que c'était les derniers. Ok, il nous reste un chapitre après. On est au 16ème, on n'est pas à la fin encore. Ah, la voilà. Sébastien. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira? Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille. Non. Je ne laisserai plus personne me l'enlever. Non. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Tous ceux qui essaieront devront mourir. Arrête, il ne m'oblige pas à faire ça. Oula. Putain.
Ok, donc on va devoir la combattre. Donc elle ressemble à rien du tout. Elle est moche comme tout. Tu m'as fait du mal. Tu lui feras du mal aussi. Je t'en empêcherai. Alors on va examiner un peu. Pour voir si elle a un point faible ou pas. Ok, donc là à l'intérieur. Alors je pense que j'ai tout intérêt à faire en sorte qu'elle pète les trucs. Peut-être que ça lâche des munitions ou quoi, non? Ouais. Ouf. Alors, comment j'évite ça là? C'est faux. Ne m'oblige pas à faire ça. Oh, ça, ça pue. Alors, je sais pas si je tape bien dedans. Ah là, c'est bon. Aïe. T'as tout ce que je déteste, toi, des araignées. Moi ça donne du truc, c'est bien. Là c'est sur son dos. Elle l'a pas pété. Il reste 3 balles. Aïe aïe aïe! C'est quoi ça? Le fusil à pompe, ça fait mal, hein? Alors là, il va falloir péter son bras. Ok. Donc là, je peux rien faire. Hein. Ça sera une séance de QTE, peut-être? Tu ne peux pas m'échapper. Ouh là là. Pas évident de viser, là. Donc on lui a pété un bras, mais un autre lui pousse dans le dos. Tu ne peux pas la prendre. Je n'ai aucune envie de faire ça. Ok. J'ai vu que je pouvais ramasser un truc, balle de pistolet. Qu'est-ce qu'il me tape là? On va en mettre une deuxième. Ouais, safe. Je
Je sais même pas si je la touche là. Je l'ai touché à deux reprises. D'accord, ouais. Ah ouais, par contre, je reviens. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai pété ce qu'il y avait dans son dos. Ah non, il en reste un peu. Il me reste deux balles. Merde, j'aurais peut-être pas dû tirer là. Inesquivable le truc. Elle est résistante à mes mères là. Voilà, ça y est. Allez, deuxième va péter. Comment ça se passe du coup? On va se faire choper comme tout à l'heure. On va finir par tirer dans son visage, je pense, dans les yeux qu'elle a. Peut-être ici, dans le bras. Ah non, là. Allez, montre-toi, jeune minois. Ok! Ok, donc on a réussi à la buter. Je t'en prie.
n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci. Je suis soulagée que tu sois vivant. Tu dois le faire. Emmène Lily. Emmène-la loin d'ici. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi. Non. Je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. Vas-y. Je vous rejoins. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. S'il te plaît, fais vite. Bah très bien, chapitre 17. On vient de terminer le chapitre 16 en ayant vaincu Mira, ou du moins le noyau qui est en elle. Nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la dernière partie du jeu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. Si vous avez des remarques à faire, nous on se retrouve prochainement. Prenez soin de vous, bye bye.